Comment nous capables de résister à la tentation? Tout d'abord, il est important pour nous faire différence entre tentation et l'épreuve. Parce que il y a une différence entre tentation et épreuve. Des fois, on pense que c'est tenter ou tenter, pourtant c'est une épreuve qui est liée. On regarde ensemble avec la vidéo ça. Premièrement, qui Jean nous capables de définir épreuve? Épreuve là souvent déstabilisante, li douloureuse, li son bagage non souhaité, son bagage que nous tout cap vivre pas ta vle faire face ensemble avec ça qui est épreuve là parce qu'elle pas douce. Li dit dans Jacques 1er verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Épreuve que vous rencontrez dans vie ça li capable ba yon difficulté financière côté que ou pa gen l'argent pour répondre avec besoin yo, li capable yon maladie côté que ou souffri de yon maladie, li capable yon deuil tout côté que ou capable gen yon moun ki très cher avec ou même ki mouri, ki passé par la mort. Donc tout ça yo c'est épreuve yo ye. Mais pour yon moun ki se chrétien, l'épreuve la toujours victorieuse, surtout le marcher ensemble avec bon Dieu fidèlement. Épreuve la permet que vous deveniez une meilleure personne, li permet que foi ou renforcer la foi ou venir plus la foi, ou venir plus croire dans la grandeur bon Dieu. Deuxièmement, nous gagnons la tentation. La tentation, comment nous sommes capables de définir tentation? Qui ça tentation en même? Eh bien, tentation c'est un bagage qui est inévitable. On a toujours une tentation. Li c'est pas un bagage qui vient ni côté bon Dieu non, li toujours vini côté nous même les hommes, et li c'est lui même qui permet que nous aller sous chemin péché. OK, ou tenter automatiquement tenter, et ben ou fait péché, ou tomber dans tentation et puis soit tenter à la limite non pour faire péché. Et ben dans vidéo ça moi porter pour nous quatre solutions pour nous passer à la tentation en suivant ça m'avait. Première étape là c'est fuir. Cela veut dire que ou doit courir derrière tentation, courir derrière péché ça, derrière ça qui paraît devant. Une bagarre pour qu'on ait, ou doit qu'on ait que ou pas pif faut passer diable là, ou pas pif faut passer désir ça qui dans ou même là. Et ben amis, le fait que qu'on ait que ou pas pif faut passer désir, les tentations paraît devant ou pas compter sous propre force. C'est la guécha, c'est courir. Et deuxième étape là qui pourra le permettre de céder à la tentation, c'est pour gagner un modèle. Faut qu'on gagne un modèle. Dans Hébreux 2 verset 18, il dit: car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Eh bien, comment on pral capable résister? On pral capable résister, c'est là où on suivre Jésus. Si on tombe dans tentation, on doit prier, repentir et puis pas recommencer avec même péché ça. Et troisième étape pour pas céder à la tentation, toujours rappeler de douleur ça capable causer les que ou tomber dans tentation. Automatiquement ouais tentation paraît devant ou rappeler ou douleur ça capable ça pral porter si ou tomber dans tentation ça. Ça peut de rompir pour faire face avec ça. Ou quand ça crase dans tentation au début ou après au commencement après ça son bagage qui cool, son bagage qui normal, ça pas grave. C'est à la fin ou pral senti douleur. C'est à la fin on pral senti que tout mal que on t'a fait. Mais nos commencement c'est belle bagaille. C'est toujours à la fin on pral senti et ça t'a fait mal. Quatrième et dernière étape qui a aidé ou pour passer à la tentation, c'est pour faire très attention avec ça que on regarde et ça que on attend. Fait très attention à ça.
Par exemple, vidéo que vous regardez sur YouTube, série que vous regardez sur les réseaux sociaux, sur Netflix, vidéo que vous regardez sur TikTok, tout ça, vous avez une image que vous mettez dans l'esprit. Des fois, on ne peut pas même rendre compte de ça, mais il y a des images que vous mettez dans l'esprit. Eh bien, image ça, vous pral créer désir dans vous-même, et puis, désir ça yo même pral créer tentation et laisse on va tomber dans tentation. Apprendre ça bien. Si vous capable contrôler ça que vous regardez, eh bien, vous capable contrôler tentation que vous rencontrez dans vie ou chaque jour. Pas jamais oublier ça. Tentation inévitable. Mais vous capable éviter. Prendre des mesures préventives et appuyez toujours sur la foi que vous gagnez dans bon Dieu et ça a permettre que vous résistez les tentations paraître devant. Lisez dans Jacques 1er verset 15, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché étant consommé produit la mort. Zanmim, le wap ple de céder à la tentation comme ça, c'est pas un jouet. Li gen résultat lui, résultat c'est la mort. C'est vrai Jésus te payé prix pour péché yo. Mais c'est pas une raison pour ça pour wap jouer avec vie ou. À force que wap céder à la tentation, ou konn sa ka privé, wap saisi wè ki jan ki wap éloigné de bon Dieu. Wap commencer par wè que ou pas suivre destinée et que c'est désir monde là qui intéressé.